Salut à tous et on se retrouve sur One Piece to the Storm pour les 1 an, voilà, hein, il y a la petite bulle là sur le côté, voilà. Donc moi ça faisait un très long moment que j'avais pas joué, du coup tout le jeu a changé, hein, que ça soit la navigation, tout ça, des quêtes, moi je connaissais pas tout ça, donc j'ai eu un petit temps d'adaptation aujourd'hui. Donc il me manquait quelques gemmes, donc j'en ai profité pour les ramasser pour pouvoir faire le step up. Donc en ce moment, donc il y a deux portails, mais il y en aura trois au final, plus après des parties, on va dire, qui arriveront. Donc on va commencer par le tirage gratuit. Voilà, hein, le tirage gratuit, ça fait toujours plaisir. Donc il y a quatre personnages, à savoir Shanks, Sabo, Ace et finalement Luffy. Donc allez, on va déjà voir. Hein, si ça peut être du Ace, comme ça on fait le Shanks direct. Hein. Bon là ça pue un peu du cul, mais sait-on jamais. Donc c'est une 5 étoiles garantie, mais voilà quoi. Allez. Ah mais non, c'est même pas une 5 étoiles garantie. Ok. Donc c'est l'attaque de Sabo. Ok. Ok, ok. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais bon, Sabo, c'est pas vraiment le personnage que j'ai joué beaucoup. Donc là, on va faire le step-up de Shanks, hein. Même s'il joue beaucoup plus Ace, j'ai vu que Shanks était quand même vraiment pas mal, et surtout sa spé, en fait. Allez, fais péter l'aspect qui me fait kiffer. Hop, le danse de la lame rouge, et si je peux avoir d'autres trucs. Vous voyez, c'est vraiment, ça a du style. Ça a vraiment du style. Voilà pourquoi j'invoque sur le portail de Shanks, malgré que je joue beaucoup plus Ace. Donc, même si on l'a, hein, on continuera à invoquer pour faire tous les paliers. Parce que, ben, pour monter les spéciaux, tout ça, quoi. Donc, on peut avoir, bien sûr, des cartes de Luffy, de Sabo et de Ace. Hein. C'est... Mais bon. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils font... Même si on a plus de chances d'avoir du Shanks, pourquoi ils font des portails comme ça. Allez. Allez, allez. Ouh, il n'y a pas beaucoup de doré. Espérons qu'il y en a qui se briseront. Ah, une 4 étoiles. Donc, l'aspect déjà. Mais bon, en 4 étoiles, ce serait bien de l'avoir en 5. Histoire de l'évoluer en 7 étoiles par la suite. Oh là là! C'est tout? C'est tout? Ah là là! Ah là là! Bon, j'ai quand même l'aspect. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, on va continuer. Alors, on est au step-up. Donc, là... On continue. Ah, j'ai vraiment eu de la merde là, je suis un peu dégoûté. Ça fait pas plaisir de reprendre le jeu comme ça, surtout que j'ai passé la journée à farmer des gemmes pour avoir les plus de 150. Ah là, il y a pas mal de doré quand même. Ah, encore une 4 étoiles ça. Ouais. Bon. Sa spéciale. Encore. Donc il a 2 spé là. Donc une carte scène normale que j'avais pas. Allez, une petite 5 étoiles. Donc là, j'ai déjà les deux spé, mais moi, je préfère la première, en fait. Celle qui slash plutôt que celle qui fait des boosts. Ah! Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, je veux. Ça, je veux. Allez. Allez, allez. Ça dit pas un mot, hein. C'est laquelle? Ah, non! Non, c'est celle qui donne des boosts. C'est l'aspect qui donne des boosts. Bon, c'est quand même cool d'avoir une 5 étoiles, mais c'est pas celle-là que je veux. Moi, c'est l'autre. Allez. Hein, avec son haki. Moi, voilà, c'est celle-là que je veux. Allez, c'est parti. Allez, plus que deux multis. En espérant l'avoir, quand même. Ah, j'aimerais bien avoir du Luffy Dressrosa. Allez. Ah, non, dommage. Dommage, 4 étoiles. Ah, de Drake. Je l'ai même pas comme perso. Faudra que je fasse... Il y a des quêtes maintenant dans le truc histoire. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Et la dernière. Donc, il y a une pierre. Donc, maintenant, mes gemmes s'affichent... Enfin, mes pièces s'affichent correctement. Donc là, c'est une seule pierre. Voilà. Voilà. Ah, je suis dégoûté d'avoir eu le boost pour l'instant. Espérons que j'ai l'autre.
J'ai l'autre. Bon, ça me fera quand même une spé pour Shanks, qui serait utile, mais j'aimerais bien avoir l'autre quand même. Ah oh, putain, j'en ai plein en comment? En 4 étoiles, mais pas en 5. Et il n'y a aucun escargot qui s'est brisé, quoi. Oh là là, oh là 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 là. Bon, de l'aspect, j'en ai eu, hein. Mais pas celle que je voulais. Ah, ça m'est dégoûté un peu. Hein. On va aller le tester vite fait en quête. C'est franchement le bordel, hein. J'ai mis du temps à comprendre comment tout bien faire. Alors, le Shanks, il est ouf. Au niveau de l'aspect. Donc, on a la... Ok, c'est ça. Et ça, c'est pour... Voilà. Donc, on va mettre celle-là. Hein. Et donc, ça, c'est pour l'autre. Ok. Donc, déjà, celle-là, on va l'améliorer. Avec les doublons, hein. Hop, hop, hop. Hein. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Déjà, spé au niveau 5. C'est déjà pas mal. Hein. Bon, la carte rapportera pas beaucoup de stats, mais... Une spé au niveau 5, ça fait du bien. Les autres attaques, si, c'est bon. Allez. Bam, 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 bam. Dite combo. Oh là là. Ah, j'adore. J'adore cette spé. J'adore cette spé. Bon, je l'ai pas eu en 5 étoiles. Ça fait chier. Mais je l'ai quand même eu, donc... ça fait quand même plaisir. Voilà. Je suis mitigé. Écoutez, on va se quitter là. J'espère que cette petite vidéo de reprise sur le jeu vous a plu. Je ferai des streams puisque ça permettra de jouer en même temps avec les viewers sur les quêtes. Et donc d'ici quelques jours, il y aura aussi les 3 ans de One Piece Treasure Cruise. Donc c'est pareil, je ferai une vidéo de présentation et un stream par la suite parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, salut tout le monde et à la prochaine.